Salut les néo-autonomistes, bienvenue sur l'archipel et aujourd'hui nous allons rendre visite à la pépinière Septan. Bonjour Cécile, bonjour Seb. Salut. Allez. Brian. Ça fait 3 ans maintenant que vous accompagnez la chaîne de l'archipel, que vous apportez votre expertise et on est sur un tournant pour vous. Vous êtes en plein déménagement, vous étiez sur 2 sites. Pourquoi ce déménagement et où est-ce que vous avez déménagé? Ben nous voici de nouveau tout à côté du jardin de la yourte aux fruits que j'avais présenté il y a maintenant déjà je crois... Deux ans. Et c'est vrai que ben, moi, je suis vraiment super contente d'être là. Et ça nous faisait lourd hein, d'avoir ces 2 points, ce jardin ici qui vraiment nous plaisait, où on avait planté beaucoup d'essences fruitières et l'exploitation pépinière sur Montauban. Et il y a 80 km d'écart, et les allers-retours pour entretenir ici et travailler là-bas, ça faisait un peu lourd. Et donc, on a eu l'opportunité, la chance. Ouais, les alignements cosmiques. C'est peut-être, ça. Peut-être, on ne sait pas. Ah bah c'est bon. Non, mais bon, voilà, c'est l'opportunité, vraiment. Ouais. De trouver un terrain pile au-dessus du jardin de la yourte aux fruits, avec Terre Citoyenne. Je te laisse les présenter un peu. Ben, Terre Citoyenne, c'est pas une association, c'est une SCIC. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais enfin, c'est un groupement de société d'intérêt civil. Voilà, c'est la société d'intérêt civil. On revoit la technicienne qui est un petit point de son nez. Et en fait, c'est un collectif Société civile d'intérêt citoyen, je crois, SCIC. Voilà. Bon, au pire, en commentaire, n'hésitez pas. Voilà. Et donc, ce collectif a un projet qui nous a beaucoup plu, qui est très intéressant, et on en a bénéficié. On est les premiers à bénéficier, dans le sens où ce collectif rachète des terres sur la ceinture albigeoise, voilà, pour installer... Pour commencer sur l'Escure. Donc vous êtes à l'Escure d'Albigeois. On est à l'Escure d'Albigeois, ça touche dans le tas. Ça touche Albi, hein, ça touche vraiment Albi. Et ce collectif a pour mission, je ne sais pas, en fait, c'est donné pour mission peut-être, et c'est vraiment super ce qu'ils sont en train de faire, de racheter des terres sur la ceinture donc albigeoise, et ils commencent par l'Escure d'Albi et d'Albigeois, mais ça touche Albi, pour installer des gens sur l'autonomie alimentaire. Ça me rassure d'entendre ça parce que Albi avait fait beaucoup de com pour parler de l'autonomie alimentaire et il n'y a pas beaucoup d'actes. Et là, enfin, une belle, on ne va pas dire preuve, mais une belle action menée par Albi et sa communauté. Et donc, vous avez été contacté ou c'est... Ben, c'est un peu un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'on était ici à l'Escure et on savait que cette SCIC faisait une réunion à la médiathèque de l'Escure, juste à côté. Étaient venus, moi j'étais en train de débroussailler là sur le terrain et il y avait quelqu'un qui était venu qui passait pour distribuer des prospectus. Et donc c'est comme ça qu'on a été au courant. Et après on a été à cette réunion dont tu parles. On s'est arrêté à cette petite réunion et puis ils avaient le cadastre avec un petit peu toutes les terres qui n'étaient pas encore achetées, qui étaient pratiquement achetées.
Et donc on a regardé, on s'est un peu présenté, enfin ils nous connaissaient, mais on a été dit un peu les voir. Et puis quand on a vu, il y avait une parcelle qui était détachée des autres, qui était un petit peu détachée des autres du paquet qu'ils avaient en projet d'acheter, qui touchait littéralement la yourte. Donc quand vous dites la yourte, c'est je vais mettre une fiche pour que les gens puissent voir la vidéo. C'est une vidéo qui a cartonné à ce jour. Elle a déjà plus de 300 000 vues. C'est Cécile qui nous avait accueilli ce jour-là, parce qu'on en a pas mal aussi avec Sébastien, qui nous avait accueilli pour nous présenter. Donc les gens pourront le voir à l'écran pour aller visiter. On va refaire un petit tour aussi pour voir ce que vous avez mis en place, parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On dévoile pas trop encore la partie pépinière, mais par contre là on est sur une ancienne zone qui ne servait plus trop pour la reproduction, et maintenant c'est votre zone de reproduction. Cette petite serre là dans laquelle on est, c'est vrai que j'avais parlé beaucoup de la passiflore incarnata dans cette serre qui maintenant est encore, n'est même pas sortie de terre à cette époque-ci. Elle va bientôt sortir. Rappelle-nous, ça sort à partir de quand, Cécile? Oh là, ça va sortir d'ici 15 jours à peu près, hein. Elles vont pas tarder. Et c'est vrai que, étant installée juste au-dessus, on s'est dit qu'on allait se servir de cette serre pour faire un peu la reproduction des végétaux. Là, tu vois, tu as un peu la couveuse, hein, voilà, où il y a des petites boutures, des semis. On est assez contents cette année, les semis de Zanto sortent bien, on a même du Tona. Ça sera une nouveauté, ça, une plante dont on peut manger les jeunes pousses en salade, qui ont bien germé. Alors vu que nous sommes très assidus, les néo-autonomistes, tu as dit les Zanto, dont Zantoxylum, c'est tout ce qui est poivre. Exactement, quoi. Poivre de Sichuan. De rien, je te rappelle qu'il y a 3 ans, je connaissais rien avant de venir vous voir. Maintenant, tu sors quand même des mots qui sont peu communs. Quand tu dis les Zanto, il y en a plusieurs? Ah oui. Ben, là, dans le jardin, on a le Zantoxylum piperitum, qui est le vrai poivre de Sichuan, entre guillemets. Je dis ça parce que j'ai un peu sur Internet, on a pu voir que... lire de temps en temps que seul le Zantoxylum piperitum était comestible, les autres pas. Non, pas du tout. Nous, on en consomme tout le temps. Et la preuve aussi, c'est qu'il y a le Zantoxylum armatum, qui est le poivre qu'on appelle communément poivre timout ou poivre pamplemousse. Voilà. Mais à côté de ça, on a aussi du Giraldi, de l'Americanum. On travaille sur des nouvelles variétés, des variétés peu connues. Là, et cette année, les germinations sont bonnes, comme tu disais. Donc il y aura Il y a deux autres variétés aussi. À la nouvelle pépinière. Donc là, c'est pas l'ancienne, mais c'est là où c'est la couveuse, on va dire. C'est là où je fais mes greffes un petit peu au chaud. Je mets un peu le chauffage le matin. Et après, on remonte tout ça à la nouvelle structure qui est juste au-dessus. Donc tu vas parler un peu. Je sais pas quand les gens vont regarder cette vidéo, mais vous ouvrez en avril 2021, premier week-end d'avril 2021. On y est presque. Voilà, donc là, c'est un peu une avant-première. On l'a pas annoncé du tout. Donc, c'est avec toi, Brian, qu'on l'annonce. Ouais. Donc, on ouvre. Ça y est, c'est décidé. On est presque au point. Bon, là-haut, c'est encore à la nouvelle serre. C'est encore un peu le bazar. Mais voilà, on a 15 jours pour finir. On annonce le sprint final. Voilà, premier week-end d'avril. On ouvre la nouvelle pépinière. Alors, nous voilà dans le jardin. Excusez-moi, je coupe. Cécile et Gisèle. Ah oui, on n'a pas présenté Gisèle, mais Gisèle, la nouvelle mascotte de la pépinière Septan. Qui est venue m'accueillir quand je suis arrivée. Tu vois, c'est l'oiseau d'accueil. C'est une perruche calopsite qui vit en totale liberté. Elle s'éclate, elle vole, elle... Voilà. Et elle répond, quand on l'appelle, elle revient. Et est-ce qu'elle vous pique des fruits? Oui, c'est une catastrophe. C'est pas vraiment l'oiseau idéal du pépiniériste. Les bourgeons, là, elle adore... Alors explique-nous un petit peu pourquoi on s'est arrêté ici, tu voulais nous montrer des choses. On s'est arrêté ici parce qu'il y a des Mahonia, Mahonia aquifilum pour celui-ci, qui est en plein en fleur en ce moment. Voilà. Puis quand c'est jaune, souvent on m'a dit que cette couleur apparemment indiquait... Ça attire les insectes. Ouais. Alors, qu'est-ce que le Mahonia? Donc, le Mahonia, donc, tu en as un ici, Aquifilum. Il y en a un juste derrière toi qui a déjà fleuri, lui, plein hiver, puisque là, tu peux filmer les fruits.
Donc ces deux, celui-ci c'est Maonia X Media, celui-ci. Et alors, dis-moi un petit peu plus, ça vient d'où ? Les Maonia, ça vient d'où ? Bonne question, je ne sais pas. Je pense que c'est originaire d'Asie, mais j'en suis pas certain. Moi non plus. Sa rusticité, c'est quoi ? Sa rusticité, au moins moins 20. Ah. Ça garde son feuillage l'hiver. D'accord. Ça a un port assez statique. Le feuillage est légèrement épineux, un peu comme des feuilles de houx. Oui. Voici. Qu'est-ce qui se consomme dessus ? La baie. Donc la baie, au moment où elle est mûre, elle devient très noire. D'accord. Alors on ne le consomme pas cru. Cru, c'est assez indigeste si on en mange trop. Mais cuit, c'est sans aucun souci. Donc on le consomme cuit. Moi, j'en fais essentiellement des confitures. Le goût ressemble un petit peu à la confiture de sureau. D'accord. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça fleurit vraiment plein hiver, en décembre, janvier, le X-Media est en fleur. Et après, celui-ci prend le relais. Celui-ci, c'est quoi, excuse-moi le nom ? Achyphyllum. Achyphyllum, feuille de houx, c'est ça ? Et il prend le relais, on voit qu'il n'a pas encore... Voilà, il est en plein en train de fleurir. Et c'est très, très mellifère. Les abeilles, y viennent. Tiens, il y en a une qui vient de se poser là. Elle se cache. Elle se cache, oui. Est-ce que tu as une petite histoire sur cette plante ? Sur cette plante, non, pas spécialement d'histoire. C'est une plante qui, dans ces conditions de culture, je peux rajouter que c'est une plante de sous-bois. Alors, elle va supporter le plein soleil, mais elle sera moins jolie, moins exubérante. Mais vraiment, à la mi-ombre et même à l'ombre totale, elle arrive à fleurir et donc à fructifier, ce qui est assez rare pour des zones d'ombre. C'est vraiment pas mal. L'Achyphyllum, lui, c'est à peu près sa taille adulte. Donc, il monte à peu près à 80 cm. Mm-hmm. Il va s'étaler petit à petit. Il va faire quelques rejets. On en voit quelques-uns ici. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Ça peut être dupliqué facilement. Et facilement, ça peut garnir vraiment un mètre carré avec un pied. Toi qui t'intéresses à ce qui est médicinal, excuse-moi, je t'ai coupé tout. Non, plus. Ouais. Enfin, je m'intéresse à ce qui est médicinal, mais je ne lui connais pas de vertu médicinale. Il en a peut-être. Hein. Ok, excuse-moi, tu voulais montrer autre chose sur... Et celui-ci, il va monter bien plus haut. Il peut monter jusqu'à 3 mètres de haut. Pareil, tu vois derrière. Pareil à l'ombre. Okay. Et derrière, tu en as un, tu vois, qui est en train de monter. Okay. Et donc, il fonctionne comme ça. On le voit assez bien ici. Ça, c'est les tiges qui ont porté les fruits de l'année dernière. Une fois qu'il a fructifié, qu'il a fleuri, qu'il a fructifié, hop, il se met à faire une pousse. Donc, il a poussé de tout ça l'année dernière, en un an. Hop, il refait des fleurs du fruit. Quand les fruits seront mûrs, on va voir apparaître comme ça un bourgeon de feuilles. Il va refaire un étage. Et voilà, il pousse par étage. Celui-ci, ce n'est pas trop le cas. Tu as besoin de beaucoup d'eau, vu que c'est une plante de sous-bois, ou ça va ? Elle aime l'eau, mais une fois qu'elle est implantée, franchement, là, ceux-là sont plantés depuis 3-4 ans. Je ne les arrose plus. Je les ai plantés le premier été qui a suivi la plantation. Depuis, je ne les arrose plus. Après, c'est vrai qu'ils sont un petit peu dans un creux et un endroit un petit peu à l'ombre de ce magnifique merisier qui est en plein en fleurs en ce moment. Est-ce que tu as un petit conseil culinaire sur cette plante ? Tu as déjà essayé des petites choses ou pas ? Je l'ai essayé qu'en confiture. D'accord. Qu'en confiture. Je pense que ça peut se faire sécher aussi. Mais je n'ai pas essayé. Juste un tout petit complément. On peut dire que c'est une plante qu'on peut dire de débutant. Voilà, les gens qui ne sont pas les pros du jardin, s'ils ont un endroit justement un peu à l'ombre, ce n'est pas évident d'avoir du fruit à l'ombre. Même placé au nord, le Maonia, une fois qu'on l'a un petit peu arrosé au redémarrage, c'est une plante qui est tout à fait accessible aux débutants dans le jardin et dans le fruit, sans problème. Génial. Ben, je crois que c'est une des premières fois que vous présentez une plante de sous-bois à l'ombre. Il y en a peu. Ah, il y en a peu, d'accord. J'allais vous dire, si vous en avez d'autres, je suis... Il y a les baies de mai, on travaille sur les Lonicera kamchatica, les baies de mai. Là, ils sont pleins en fleurs en ce moment. Ah, tiens, on n'avait pas prévu, mais... Les baies de mai. Oui, Lonicera kamchatica, c'est originaire de beaucoup de Russie, d'Europe du Nord, de Pologne, de Hongrie. Voilà. Et où, excuse-moi ?
Et donc elles sont là. Donc c'est un chèvrefeuille. L'onicera, c'est les chèvrefeuilles. C'est un chèvrefeuille, mais pas un chèvrefeuille grimpant comme on connaît souvent les chèvrefeuilles. C'est un chèvrefeuille arbustif. Donc celui-là, c'est la variété Kiev, je crois. Ou Kiev ou Tomichka. Alors il y a tellement de variétés sur lesquelles on travaille, enfin tellement, on a 7 ou 8 variétés, on finit par les mélanger un peu. Hein. Donc il a un port assez étalé. Okay. Il fleurit maintenant, donc très tôt en saison. D'où le nom baie de mai. Voilà. Et les baies arrivent à maturité début mai. Elles sont violacées quand elles sont mûres. Et la baie a un petit peu le goût de myrtille. Ça serait presque aussi la couleur de la myrtille avec une forme beaucoup plus allongée. Et donc on peut les manger comme ça en frais, sec, ou en faire des tartes aussi. Mais enfin, c'est en frais que c'est le mieux. Hein. C'est donc, bien parce qu'en mai, il n'y a pas grand-chose encore. Oui. Il y a les petites groseilles qui commencent à arriver. Très peu. Oh oui, surtout début mai. C'est vraiment juin où ça accélère sur le fruit, mais en mai, il n'y a quasiment rien. Et donc là, tu la vois, elle est installée sous un gros fuchsia regiaredi. Oui, tu nous en avais déjà parlé. Voilà. Et le fuchsia lui fait un peu comme un gros parasol là au-dessus. Pour l'été, ça la met à l'ombre. Donc, et mi-ombre, ça va aussi pour ce genre de plante. Ah oui, oui, oui. Très intéressant. Cécile, oublie pas la pollinisation. Tu en as une autre là, même deux autres, qui ont aussi une forme. Alors, celle-ci a vraiment un port très étalé. Celle-ci, un port un peu plus dressé. Ah, ça, c'est Fialka, celle-là. Tu écrases rien, non, tu écrases rien. Ça, c'est Fialka. Oui. Celle-ci, c'est quoi, tu me dis ? Fialka. Ouais. Donc elle, voilà, on voit, hop, des petites fleurs là-dessous. Le goût différent entre les deux que tu nous as montrées ? Oui, très légèrement. Elles ont tout un goût légèrement différent. Des fois, plus ou moins amer. Dans les variétés de baies de mai, il y en a à prendre et d'autres à laisser. D'accord. En ce moment, on expérimente pas mal de cultivars, justement, pour voir lesquels ont un meilleur goût. Et... Voilà, on est encore en train de déblayer le sujet au niveau du gustatif. Hein. Ça résiste au gelé et tout ? Énormément. Jusqu'à moins 25, moins 30 sans degrés. Problème. Oh, ben ça pousse en Russie. Hein. Voilà. Elles ont même besoin de froid pour arriver à fructifier correctement. Et il y a quelque chose d'important à dire pour la pollinisation. Oui. Donc, ce sont des fleurs hermaphrodites, qui ont à la fois l'organe mâle et femelle sur la même fleur, sauf qu'elles ont besoin d'une pollinisation croisée. D'accord, comme le feijoa. Comme le feijoa, exactement, pour se mettre à fruit. Hermaphrodite, c'est sur la même fleur, tu as les organes mâles et femelles sur la même fleur. Monoïque, sur le même arbre, tu as des fleurs mâles et des fleurs femelles à des endroits séparés. Le noisetier. Exemple, le noisetier. Et dioïque, tu as, exemple, le kiwi, des pieds mâles et des pieds femelles. Bah merci pour la piqûre de rappel. Voilà. Et tu sais quoi, je pense que même chaque année, il faudra quand même. Mais c'est jamais du luxe. Mais c'est jamais du luxe, oui. Non, c'est merci. Merci beaucoup. Et donc là, on a implanté plusieurs variétés. Il y en a une ici, une là-bas, et puis deux, trois là-bas pour voir. Et je pense que j'ai encore un petit peu de place de reste là. On a quatre nouvelles variétés là, originaires d'Europe du Nord, qu'on a fait rentrer. Je pense qu'on va les mettre là en pépinière ce printemps. Donc on va les mettre là pour compléter sous les aziminiers. La collection, c'est prétentieux, mais un peu. Les aziminiers qui sont dont les fleurs grossissent à vue d'œil en ce moment. Eh oui. Alors je remettrai aussi une fiche pour les gens. Là, on a fait Enfin, je dis on. J'ai eu la chance d'avoir un cours sur l'aziminier et c'est des gens vont reconnaître l'endroit. Oui, tu peux en parler mais très succinctement parce qu'on avait déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, issu de semis, hein, puisqu'on parle souvent des greffes, etc. Voilà, issu de semis, il a 8 ans, hein, Cécile ? Non, il a 7. 7, ouais. Et il donne déjà. C'est sa 7e année. Il donne et puis surtout l'ancrage dans le sol, regarde par rapport aux autres. Ça va être sa 3e année. Alors certes, le fruit est un petit peu plus petit, souvent avec un petit peu plus de graines. Mais pour les débutants, les gens qui commencent avec l'aziminier, issus de semis, quand même en prenant deux pour la pollinisation également, c'est vraiment pas mal pour débuter. Quoi. Et ils sont moins chers aussi. Il y a aussi le poncirus là qui est magnifique à cette saison. Beau. Mais écoute, le poncirus, on en parle assez régulièrement parce que c'est quelque chose quand même c'est un des rares agrumes qui arrive à pousser dans nos jardins. Et j'ai eu la chance de le filmer sur mes visites de maisons autonomes. Ouais.
Mais si tu peux nous faire une petite piqûre de rappel dessus, c'est avec plaisir. Et là, au passage, je vois que, tiens, c'est le moment, il y a l'ail des ours qui ressort. Côté... Hop, on en a là, là, là. Non, ça non, ça oui. Voilà. À ne pas confondre avec du muguet. À ne pas confondre avec du muguet. Le muguet étant très toxique. C'est vrai qu'il ne faut pas le planter à côté. Le seul moyen de vraiment savoir, je pense, c'est de froisser. Ouais, c'est... Ouais, ouais. On ne peut pas se tromper. Alors, le Poncyrus, qui est un des agrumes qu'on peut planter partout en France, dans n'importe quelle région, j'ai l'impression. Tu peux en parler, toi ? Ouais, allez, allez. Hein. Allez, là, je l'ouvre un peu. Là, hein. Il est magnifique, je trouve. Donc, Poncyrus trifoliata, c'est donc Poncyrus à feuillage trifolié, hein, puisque voilà, il y a une feuille en trois parties, en trois lobes. Ils sont tout le temps, ou quasiment tout le temps, issus de semis, parce qu'on peut le bouturer difficilement, mais il est assez souffreteux. Et on peut le mettre dans le jardin comme celui-là, en ornemental. Hein, il a une très très belle floraison, très odorante. Après, il se couvre de petits fruits ronds comme ça, d'environ 3 cm de diamètre. Des poncyres ? C'est des fruits de Poncyrus. Hein, la poncyrine, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Okay. Et malheureusement, il est assez proche de l'inconsommable. Hein. Voilà, alors il y a quelques adeptes qui en font des confitures, etc. Mais franchement, ça c'est pas très intéressant. Alors, peux-tu nous faire une piqûre de rappel pourquoi il est quand même autant sollicité ? Eh bien, il est autant sollicité parce que il sert de porte-greffe aux nouveaux, entre parenthèses, aux agrumes rustiques. Voilà, les mandarines Satsuma, citron, le fameux citron yuzu dont on entend pas mal parler, le hana yuzu, citron chouette Thomasville, etc. et trifeola, etc. Quelques autres variétés de érème orange, citron gérémo, un peu. Vous avez ça chauffe. Ça voilà. Érème orange, citron gérémo, ça sera des nouveautés. Enfin bon, c'est des nouveautés pour nous. Hein. Ça fait déjà 10 ans que ça circule en France. Hein. Mais dans les circuits autorisés, voilà, ils sont encore assez rares. Donc là, on a un pied mère de chaque et on commence à multiplier. Il y aura des toutes petites quantités à l'automne. La rusticité du Poncyrus. On est sur moins 20, moins 22. Quoi. C'est ouais, fou. Voilà. Alors, il a l'avantage de ses inconvénients. On greffe les agrumes résistants au froid sur Poncyrus. Donc attention, enfin, je ne vais pas donner un coup de griffe aux jardineries, mais il y a beaucoup de notamment les mandarines Satsuma, les orangers, les citrons yuzu qui arrivent d'Italie, et très rarement les Italiens greffent sur Poncyrus. Je confirme. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Poncyrus, il est long de pousse. Il ne pousse pas vite. Alors donc, ça, commercialement, ce n'est pas très intéressant. Et il supporte mal, je ne vais pas dire pas, mais il supporte mal le calcaire. Donc attention, les gens qui sont dans les terrains calcaires, faire une bonne fosse, etc. et apporter un petit peu de fumier pour acidifier, descendre le pH, modifier ce qu'on appelle le complexe argilo-humus, quoi, pour ramener le pH vers le 7 au maximum. Donc c'est un petit peu, il pousse lentement, il n'aime pas le calcaire. C'est ces deux paramètres négatifs. Après, ben, la grosse qualité qu'il a, c'est qu'il confère une meilleure résistance au niveau du froid et il bonifie légèrement la qualité fruitière aussi. Ça, alors, souvent voilà. On ne le sait pas. Ouais, ouais. Ah ouais. Ça, on en a discuté avec Thierry Dupuis, un copain qui est agrumiculteur dans les Landes, et il nous a confirmé. C'est plus que confirmé, c'est lui qui nous l'a appris. Hein. Voilà. Donc on retransmet ces infos. Donc pour reprendre ce que tu dis, les jardineries, si on achète en jardinerie et que c'est greffé sur Poncyrus, la pousse va être un peu plus lente, oui. Mais ça va résister au froid. Oui. Ça va s'adapter à presque tous les sols, sauf ceux qui ont du calcaire. Ouais. Et en plus, il y a une fructification plus importante. Pas forcément plus importante. Ça bonifie la qualité fruitière, le goût du fruit. Ah, d'accord. C'est comme quand on greffe un cognassier ou un poirier sur cognassier. Voilà. Quand on greffe, je me suis un peu embrouillé. Quand on greffe un poirier sur cognassier, ce qui est la majorité des poires sont greffées sur cognassier, sauf William, qui est assez incompatible, on accélère la mise à fruit, mais on bonifie la qualité fruitière en greffant sur cognassier. Voilà. Donc, avec les porte-greffes, on peut tirer sur plusieurs ficelles, notamment là sur la qualité fruitière. Souvent, on n'en parle pas, mais c'est une réalité. Vous avez un distributeur d'engrais automatique avec Gisèle. Ouais, ça va te faire pousser les cheveux. Hein. Ah, bah, super, vas-y, chie Gisèle. Mais écoute, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on l'a souvent présenté, le Poncyrus, mais encore une fois, tu rajoutes, et c'est ça qui est intéressant. Pas grand-chose. Après, oui, il est en ornemental. Hein. Il n'est pas tortueux, celui-là. Non. Alors, il y a le Flying Dragon. Oui. Je crois que tu en avais parlé sur une vidéo. Le Flying Dragon est très, très joli. Et il sert pour nanifier. Aussi, il est très ornemental, hein. Dans le jardin, franchement, super joli, même peut-être plus joli que celui-là encore.
et il sert de porte-greffe pour les agrumes qu'on veut nains. Si tu veux un oranger de 80 cm, tu le greffes sur Flying Dragon. Mais là, tu sors les rames parce qu'il va pousser encore plus lentement que le poncier russe. Il ne faut pas être pressé, quoi. C'est bien que tu précises ça. Mais il est chouette, Flying Dragon, ouais. Mais nous on l'utilise pas en porte-greffe, mais on l'utilise en ornemental. Je trouve vraiment très, très joli son port et très graphique. Tu sais, je disais aux gens, à chaque fois qu'on se voit, vous avez à chaque fois, même sur des choses qu'on aurait déjà revues, je crois qu'on pourrait même reprendre des thèmes qu'on apprendrait. Oui, après je veux dire, tu sais, on est tous le con de quelqu'un où tu vois, nous, on a une certaine connaissance, toi, tu en as une autre. Il y a des gens qui doivent peut-être vous regarder la vidéo en disant, putain, mais ils y connaissent rien. Tu vois, il y a tellement de strates, de niveaux que, bon, voilà. On a une connaissance plutôt de terrain. C'est trop beau. Voilà. Plutôt de terrain. On bouge pas. Voilà, après, on apprend tous les jours. Hein, c'est dingue. La notion de métier, elle est importante. Hein, on a perdu ça depuis 20 ans. On croit que tout le monde peut tout faire. Un plombier peut faire. Quelqu'un qui ne connaît pas le plomberie peut faire. Tout le monde peut un peu tout faire, mais le faire bien. La notion de métier, il va bien falloir que ça, qu'un jour ou l'autre, ça revienne. Quoi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à filmer, là. C'est le chien. Regarde ce que fait le chien. Du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens. Ouais. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose de mûr. Parce qu'évidemment, Gus... Alors, hop, ça, c'est on s'en sert en haie. Tu vois, il se lèche les babines. C'est un Eleagnus. Et cette variété, enfin là, il y en a deux variétés. Il y a Eleagnus macrophylla et non, Umbellatin est derrière. Ah, c'est pas loin. Je connaissais que celui-là. Et il y a celui-là qui est à côté, on dirait que c'est les mêmes, mais non, c'est deux pieds différents. Celui-là est un peu plus nain, c'est la variété Cap d'Agde, je crois, celui-là. Oui, c'est vrai, ouais. Et donc, c'est des Eleagnus à feuillage persistant, vert d'un côté, argenté de l'autre. Ils fleurissent en plein mois de septembre, une odeur merveilleuse. Ils résistent très très bien au froid, tout sol, toute exposition. Et chez celui-ci, la baie arrive à maturité maintenant. Je ne sais pas si tu vois les chiens, ils sont en train de manger les baies qui sont tombées au sol. Ouais. Ils vont vous en mettre partout. Ah, c'est ça. Ils mangent les baies d'Eleanus. Donc. D'accord, donc ça va, ils ne sont pas malades en mangeant ça? Du tout, du tout. Tu vas les goûter. Ah, non, mais je dis ça, on ne sait jamais pour les gens qui... Elles sont excellentes en cette saison. Excuse-moi, je n'ai pas filmé. Oh, le gourmand. Il y a un gros noyau, quand même. Par contre, il y a un petit côté âpre. Tu vois ce que je veux dire? C'est sucré. Alors, ça dépend desquels. Il faut qu'ils soient bien, bien mûrs. Comme toujours, j'ai tendance à dire. Excuse-moi, j'ai pas... C'est peut-être qu'elle n'est pas assez mûre. Ah mince, attends. Il faudrait que... Que ce soit tombé dans la main, quoi. Qu'il soit... Ah, attends, je vais essayer de... En fait... Ça, c'est le plus dur, c'est de faire mes zooms. Quand le chien les mange par terre, c'est qu'elles sont mûres à point. Voilà, en fait, tu repères le chien, tu le vois au chien, quoi, d'accord. Non, mais c'est presque... Non, mais c'est très bon. Par contre, c'est très sucré. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? J'ai l'impression d'avoir vu ça toute mon enfance et qu'on s'en servait comme des haies parce que ça doit être persistant. Oui, c'est ça. Pourquoi on entend si peu parler en France de cet arbre? Vous le cuisinez comment, à part pour les baies comme ça, de piquer, et pour les chiens? On les mange frais ou alors pareil, j'en fais des confitures. Après, tiens, tu vois. Alors attends, ne bouge pas, parce que là c'est le plus complexe. Voilà, je reste la baie là. Est très jolie. Donc, macrophylla, la variété macrophylla, c'est un fruit un petit peu plus gros. Je t'en prends une. Je prends celle qui a l'air la plus mûre. C'est bon, mais il y a un petit truc, tu sais, qui accroche derrière. L'âpreté. Les Eleagnus, il y a plein de variétés intéressantes. C'est des fruitiers un peu qu'on peut mettre dans les haies sauvages, les haies fruitières. Derrière, il y a les Eleagnus Umbellata qui fonctionnent en pollinisation croisée. Hein, tu vois, il y a deux plans. Hein. Attention, les gens qui achètent qu'un Eleagnus, Umbellata, ils ont très très peu de fruits. Umbellata. Il y a le Goumi du Japon, Eleagnus multiflora. Donc lui, il est caduque, contrairement à celui-là. Ça, c'est un persistant, c'est un Eleagnus, donc Eleagnus macrophylla ou Cap d'Agde ou Ebengei, même l'Eleagnus Ebengei qui sert pour les. On peut tout à fait consommer les baies. Dans la pépinière, vous en proposez aussi? On propose plutôt du macrophylla, des variétés un petit peu fruits un peu plus gros que le type qu'on trouve dans les haies pour faire les haies en extérieur. Lui, c'est Eleagnus umbellata. Tu vois, il n'est pas tout seul, tu en as un autre à côté. Et lui, il est à contre-courant par rapport à celui-ci, lui, qui fleurit en septembre. Lui,
il commence à fleurir, voilà, là, tu vois, plein de boutons floraux. Et il marche en pollinisation croisée avec un autre sujet qui est là, qui est aussi un autre Eleagnus umbellata. Et celui-là, elle n'est pas persistant, tu disais. Alors. Voilà, il est caduque. Et puisqu'on est dans le coin des Eleagnus, juste derrière toi, tu as le multiflora, celui-ci, avec un, voilà, avec un autre pied ici. Pareil, non, il est caduque. Non, mais par rapport à la pollinisation. Pollinisation croisée, lui, ça améliore sa fructification, mais tout seul, il peut avoir des fruits. Il est quand même assez auto-fertile. Donc lui, fleurit en même temps que le umbellata. Génial. Multiflora. Hop, ça, c'est pris. Tu vois, la baie ressemble énormément à celle-ci. Elle est sur un pédoncule beaucoup plus... un pédoncule, long. Beaucoup plus long. Voilà. D'accord. Génial. Pareil, le fruit doit être très très mûr, sinon il est astringent, il perd son astringence quand il est bien mûr. Ah, astringent, voilà, chercher, je disais, après, c'est astringent. Ça me fait la même chose que quand je goûte du plaquminier. Un peu, oui. Oui. Il y a cette astringence, cette apothée. Qu'est-ce qu'on a de chouette? Encore quelques trucs à nous montrer. Tiens, encore un peu de pellicule. Les cornouillers. Ah, oui. Attends deux secondes, puisqu'on est là, alors attends, je prends la main sur le coin Aromatnaya. Ah. Et oui. La vidéo va faire 8 heures. Je vous ai tous les deux ici, mais en fait... Non, parce qu'on est dans le secteur. Voilà la perruche Destructor. Voilà, Destructor. Alors ça, c'est un coin qui est très intéressant. C'est Aromatnaya ou Aromatnaja. Il est originaire d'Europe du Nord. Et c'est un coin dit coin pomme. C'est-à-dire qu'il va se consommer comme une pomme au mois de novembre, avec un petit peu le goût du coin, sans avoir justement le côté astringent et l'âpreté du coin qui est immangeable comme ça. Oui, puis donc, le côté très dur aussi. Alors il est quand même relativement dur, mais on le mange au couteau. On peut le manger au couteau à partir du mois de novembre. Et nous, on l'affectionne vraiment beaucoup, ce cognacier. Et il est très résistant aussi, puisqu'il y en a... Il faut sortir Gisèle, elle mange tous les bourgeons. Gisèle, le truc, c'est qu'elle ne les mange pas. C'est ce qui nous fait râler. Elle les coupe et elle peut te remonter toute la branche. Tout s'est coupé sans en avoir mangé. En fait. Ici, il y a des boutons de fleurs qui arrivent. Ah oui, voilà, la mise à fruit est assez rapide, à peu près 3 ans. Alors, c'est bien de voir ça, puisque nous, on ne l'a pas fait, mais il faut vraiment enlever les momies de fruits. Pourquoi ? Parce qu'il peut, il est assez sensible, il peut être assez sensible aux monilia et l'entomoporiose aussi. Donc, on enlève les momies de fruits et je préconise quand même vivement, sans être un acharné des traitements, un traitement à 15-17 grammes au cuivre à la bouillie bordelaise en hiver pour éviter ce phénomène. Et juste, c'est quoi le monilia et l'autre parasite? C'est des champignons, des maladies cryptogamiques. Alors on voit sur le fruit d'un seul coup, de façon circulaire, on voit les ronds de moisissures et de pourriture qui s'agrandissent. À ce moment-là, malheureusement, le fruit devient inconsommable. Ça, c'est typique de la moniliose. Voilà, et du coup, les fruits restent momifiés sur l'arbre tout l'hiver. On aurait dû les enlever dès l'automne et les brûler ou les jeter à la poubelle ou les composter à chaud, mais ne pas les laisser comme on a fait. Alors bon, cette année, on était un peu dépassé avec le déménagement. Un peu beaucoup dépassé. Vous avez essayé les traitements à base de sarriette et d'ail? Il paraît que ça, surtout l'ail pour tout ce qui est fongique. Oui, on dit oui, mais on l'a pas fait. On ne l'a pas fait en extérieur, on l'a eu fait dans la serre. On l'a eu fait dans la serre et puis on va travailler beaucoup plus puisqu'on le verger là qu'on a implanté, il va être en bio et on espère d'ici 2-3 ans passer toute la pépinière en bio. Donc on est en train de travailler. Cet hiver, on n'a pas pu le faire parce qu'on monte toute la structure, on est complètement débordé. Mais on va commencer à faire de plus en plus d'essais pour pouvoir vraiment avoir le label bio et passer en bio dans les 3, maximum 5 ans à venir. Malgré que vous soyez débordé, vous avez combien de variétés à proposer dès l'ouverture de la pépinière cette année? C'est pour ça aussi qu'on est aussi fatigué, parce qu'on s'est dit, à rouvrir la pépinière, on ne voulait pas une pépinière à moitié vide ou à moitié pleine, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais on voulait qu'il y ait vraiment... On veut toujours le verre à moitié plein. Le côté challenge, ça a été quand même remonter une pépinière en 4 mois. Ça, c'est un truc de... On s'en est pas rendu compte, on s'est lancé là-dedans en disant, on ferme en novembre, on rouvre en mars. Mais on est sur les genoux, ça ne se voit peut-être pas trop. C'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça a été un gros challenge. Et puis le deuxième challenge, c'est de aussi mettre en production alors qu'on est encore autant, dans les travaux, voire même plus que l'année d'avant, pour que les gens aient du choix. Donc le matin entre 7h30 et 9h, je greffe. Après on monte à la pépinière, on travaille sur les bâches, les serres, les machins. Après Cécile la rempote. Enfin c'est un truc de dingue. Et alors combien de variétés? Ah, le suspense. Ouais, cela tournait autour de 400, je pense. Non, c'est ça. De proposer cette année déjà?
Oh ben ouais, ouais, ouais. Je pense aussi. Oui, oui. J'aurais du mal à dire, mais ouais, il y aura peut-être un petit flash de 15 jours, 3 semaines, là, au mois d'avril. Mais on s'est fixé comme objectif de repartir à pleine voilure d'entrée, quoi. Donc, d'où un petit peu le surmenage. J'ai un très beau plan que je vais faire, là. Hop. Donc, oui, tu allais au Cornus-Mas. Oui, j'allais au Cornus-Mas, mais je vois en allant au Cornus-Mas qu'il y a aussi l'Akebia en plein en fleurs en ce moment. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'Akebia? On croyait qu'il n'y avait pas grand-chose, finalement, au fur et à mesure qu'on avance. Non, mais au mois de mars... Ça, c'est un jujubier, si je me... Exactement. Oui. Alors, ça n'a pas démarré, hein, c'est normal. Hein. Et alors, l'Akebia, excuse-moi, je ne sais pas quoi filmer. Alors, l'Akebia, tu ne sais pas quoi filmer, il est là. Il y en a plusieurs. Donc, c'est une plante grimpante. D'accord. Comme les baies. Alors, il faut mettre le nez dessus, mais ça a une petite odeur un peu vanillée. Mmh. Là, c'est l'exemple typique d'une plante monoïque. Donc, monoïque, fleurs mâles et fleurs femelles sur le même pied, mais à des endroits différents. Je crois que Gisèle, elle pique encore des... Excuse-moi. Alors, à mélange du Canada, Gisèle. Excuse-moi. C'est pas grave. Donc ici, on a les deux fleurs femelles. Des fois, il y en a deux, des fois, il n'y en a qu'une. Et au bout, les fleurs mâles, elles ont vraiment une morphologie totalement différente. Tu consommes quoi là-dessus? Et donc, ce que tu vois là, sur la fleur femelle, le pistil, donc on le voit déjà, ça forme comme des petits bâtonnets. En fait, s'il est pollinisé, ces bâtonnets vont grossir, et devenir gros comme presque une saucisse de Strasbourg. D'accord. Tu vois ils vont être groupés par deux, trois, j'ai eu jusqu'à six sur le même pédoncule. Et ce qu'on consomme, c'est la pulpe à l'intérieur de ce fruit qui ressemble à une saucisse. C'est mûr fin septembre. Quand c'est mûr, ça s'ouvre sur toute la longueur. J'ai une très belle vue. Voilà, liane très résistante au sec. Hyper résistante au sec. Et au froid. Combien en Russie? Au moins 18. Ouf. Et alors là, tu peux voir, il y a des petites extrémités gelées. Ici, on le voit, c'est noir. Ça ne bouge pas. Je vais pouvoir le faire, mais laisse-moi quelques secondes. Ici aussi. Alors, ouais, je vois là, celles qui pendent. Voilà, celles qui pendent, qui sont noires. Kesako. En fait, c'est des extrémités qui ont gelé il y a 8 jours. Et il a fait moins 5 ici. Et c'était des pousses comme celle-ci, très tendres, et du coup, elles ont gelé. Mais tu vois, instantanément, ça en refait. Voilà, c'est pas un souci, même pour la fructification, ça sera pas un souci. Alors, l'Akebia, tu as un conseil culinaire ou médicinal? Aucun conseil médicinal. Culinaire, moi je la. Moi je l'apprécie moyennement. C'est vrai, une année, la pulpe était vraiment très très sucrée. Mais ça a été alors je ne sais pas si c'était certainement les conditions météo. Après, il y a beaucoup de graines à l'intérieur. Donc, où tu avales les graines, où tu les recraches. Si tu les recraches, c'est fastidieux. Bon, moi, j'adore cette floraison et les oiseaux adorent les fruits. Donc, je laisse les fruits s'ouvrir et je les laisse aux oiseaux. Ça s'approche de quoi niveau goût? C'est très. Comment dire? C'est un peu gélatineux et c'est un peu laiteux, laiteux sucré, je dirais. Et elle marche en pollinisation croisée, ça c'est important aussi à savoir. Il faut plusieurs pieds différents. D'accord. Donc là, tu en as plusieurs. Il y en a un qui a été planté là, qui est petit, un là, un autre là. D'ailleurs, il y en a un qui va faire des fleurs blanches. Je vois quelques-unes qui arrivent. Hop! Par ici. C'est quoi là? Pourquoi blanche celle-là? C'est une variété. Ah d'accord. Là, Crimeforme, elle s'appelle. Attends, je vais zoomer. Ne bouge pas. Je bouge pas. Je vais bloquer dessus. Hop, attends. Crimeforme, il est un peu moins ornemental, mais plus fructifère. Hein. Très bien. Ouais, il polisse très bien. Désolé, ça bouge un peu, mais pour le zoom, c'est manuel. Merci. Voilà, c'est originaire de Corée. Hein. Oui. Je sais pas si tu l'as dit. Ah. Et non, ouais. Je l'ai pas dit. Et en Asie, en fait, eux. Si, il y a un truc à dire qui peut t'intéresser. Ah pourquoi le reste m'intéresse pas? Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Je pense à...
c'est l'archipoule, c'est ça? Ouais. Je pense à l'archipoule. Les poules adorent la pulpe des baies. Ah. Tu plantes ça au pied d'un poulailler, tu le fais grimper, ça leur fait de l'ombre, les fruits tombent, les poules se régalent avec. Bon, je sais quoi prendre en repartant. Ouais. Les mûriers aussi, je la mâchoire. Oui. Je vous en bloque deux si vous avez. Les mûriers à fruits, là. En Asie, en fait, ils ne s'occupent pas de la pulpe, ils ne mangent pas la pulpe, ils la donnent aux poules, justement, et ils gardent que l'enveloppe du fruit qui est très charnue. Ils font avec des farcis. Et quand j'ai trouvé cette recette, je me suis dit, ah chouette, je sais comment enfin utiliser ce fruit. Et, sauf que l'enveloppe du fruit, même cuit, c'est très amer. Et en Asie, ils aiment ce côté amer. Nous, beaucoup moins. Coïncido, on en a parlé un petit peu. Hein. Pousse un peu lente, mais il faut bien 3-4 ans pour qu'il s'installe. Ouais, c'est ça. Mais voilà, au bout de 4 ans, ce que ça peut donner, il commence à faire des rejets. Ouf, là, c'est moins 25. Ouais. Il fleurit maintenant, c'est aussi, ça fait partie des premières fleurs. Il fait des rejets aussi. Ça. Oui, voilà, tu vois là, il commence à faire. Pour faire un peu pompeux, c'est pour la strate basse. Ah. La strate basse. Voilà, c'est le terme permacole. Donc, lui aussi, il marche en pollinisation croisée. Donc il y en a un là, un là, un là, un là. Ouais, pour les gens qui... alors, aussi un autre truc. Alors, moi, par contre, j'ai eu la chance, j'en ai déjà eu, à l'extracteur de jus, bien coupé, parce que c'est quand même très dur. Donc, l'extracteur, c'est très, très dur. Mais alors, à l'extracteur de jus... D'accord, j'ai pas essayé, c'est une bonne idée. Mais, et tu sais, il n'y a pas aussi ce côté, quand tu mets les agrumes, on conseille aussi, pour la santé, de mettre carrément avec les peaux. Oui. Tu sais, quand tu les extraites. Il faut que ce soit bio, hein, Pépère. Ah oui. C'est vrai que la peau est très intéressante. Mais franchement, pour le coup, je vous conseille d'essayer. J'ai été surpris, j'avais l'impression de mettre un citron. Ah ouais. Nous, on le fait, on le coupe, enfin, j'ai peut-être donné la recette, on le prend entier, comme ça, mois de novembre-décembre, parce qu'ils sont servent très longtemps sur le plan. Il est assez dur à récupérer, il faut bien tourner le fruit pour le décrocher de l'arbrisseau. Et je le coupe à la mandoline, très très fin. Je le mets dans le sucre pendant 48 heures en remuant. Et après, dans n'importe quoi, enfin plutôt un pot en verre, on referme et on laisse dans le bas du frigo, sans stériliser, sans rien. Ouais. Et il se confie dans le sucre. Excellent. Et au printemps, 2-3 mois après, tu récupères les petites lamelles, déjà comme tu manges comme ça. Ah, oui, c'est un bonbon. Ça. Ah, et puis entre l'acidité et le sucre, ça doit être quelque chose C'est excellent. Et tu as quand même cette petite note d'agrumes. Tu vois, tu as le sucre et la note d'agrumes derrière. Les pâtissiers devraient s'en emparer. Ben ça, c'est sûr. Alors, nous, on s'en empare. Non, le souci, par contre, je me permets un retour d'expérience après 2 ans. Il n'y a que l'année dernière où j'ai commencé à avoir des... Alors, par contre, ça pousse en grappe très collée. Et oui, c'est gros. C'est comme la floraison. Hein. Oui, c'est vrai. C'est logique. Mais par contre, j'ai mis ça donc, à côté d'une haie. Et c'est vrai que ça, c'est un bel arbre de haie en basse strate, comme tu dis. Je connais un peu les strates parce que j'ai regardé des livres. Mais en basse strate, alors. Je le conseille parce que vraiment, j'ai jamais vu ça en jardinerie. Ben, il y en a, il y a des coins du Japon, mais c'est pas la variété Sido. Donc au niveau gustatif, il y en a qui font des fruits d'ailleurs un peu plus gros, mais gustatifs, ils sont pas. Ici, tu en as un. Encore. Il est bien pour poliser le Sido, hein, par contre. Pareil, hein, ce sont des cousins du coin Sido. Celui-ci fait un fruit beaucoup plus gros que le coin Sido, mais beaucoup moins parfumé, mais qui est consommable aussi. Ouais. Merci pour la découverte. Celui-là à fleurs blanches. Celui-ci, il fait un fruit à peu près de la taille du Sido. D'ailleurs, C'est quoi la différence, excuse-moi? Et il est un petit peu moins acidulé que le Sido. D'accord. Et le parfum d'agrumes est moins présent. C'est ça. Voilà. Mais c'est des bons pollinisateurs. Mais voilà, tout ce monde se pollinise ensemble. Ouais, ça se pollinise ensemble. Aussi très bien. Il est partiellement auto-fertile, le Sido, mais quand même, il sera bien mieux pollinisé avec d'autres Sido ou d'autres coins du Japon. Bon, là, on est déjà à 10 minutes plus qu'on a fait. Et ben voilà. On va terminer par le cornoulier. Alors, c'est quelque chose d'assez commun, je présume, quand même, en France, le cornoulier. Alors, le cornoulier, oui, commun, mais c'est souvent le cornoulier sanguin qui est commun. Le cornouiller sanguin va faire une petite baie noire qui n'est pas comestible et qui est même très indigeste. Alors que celui que je vais vous présenter, c'est des cornus mâles ou cornouiller mâles. Donc là, on en a un. Alors petite précision, cornouiller mâle, mais il n'y a pas de mâle et de femelle chez les cornouillers. Hein. Voilà, la fleur est hermaphrodite. Moi, je refais un beau truc. Je
Vas-y. Vas-y, donc on l'appelait cornouiller mâle parce qu'il servait à l'époque à faire des crosses de fusil, des manches de pioche, le bois des engrenages. Voilà, c'est des très bons bois, très très durs. Et donc on l'appelait cornouiller mâle. Alors souvent les gens disent, ah, mais vous avez les femelles, oh non, c'est auto-fertile. Cornouiller mâle parce que tous ces outils étaient rapportés plus à la jambe. Voilà, parce que les hommes sont violents. Et ce monde gouverné par les femmes serait plein d'amour et de prospérité. Là, c'est il est sur la fin de sa floraison. À part peut-être Madame Thatcher, comme disait la Dame de Fer. Notre ami Renaud. Il est sur la fin de sa floraison, il commence à former ses petits fruits. D'accord. Il était en fleurs tout jaunes, hein. On l'appelle aussi mimosa du Causse, parce que ça aime bien les sols calcaires. Mais tu vois, ici, on est en sol limoneux et ils sont très très beaux. Donc celui-ci, c'est une variété à gros fruits qui arrive à maturité fin août. On en a un autre petit là qui fait des fruits jaunes qui sont très, très goûteux. Voilà, on le développe, le fruit jaune, parce qu'il n'a pas du tout d'astringence. Il est à maturité au mois de juillet plutôt que les autres. Ouais. Et il est très sucré, sans astringence, c'est excellent. Excellent à manger comme ça, alors que le cornus mas, il faut plutôt le transformer, en faire des confitures, des jus, etc. Celui-là peut vraiment se manger comme un fruit, comme une cerise, on va dire. Il est tout jaune. Alors on commence à le développer. Bon. Rusticité très, très rustique. Très rustique, ouais. Caduque. Il a une préférence pour les sols calcaires, mais il s'adapte très bien en sol limoneux. À Montauban, on était plutôt argilo-calcaire, il y en avait, et ça marchait très bien aussi. Il fleurit très tôt en saison. Il finit, mais c'est très joli, très mellifère. Il y a une dizaine de jours, hein. Et la baie peut se consommer fraîche. Donc pour le jaune, aucune astringence. Pour les variétés, les autres variétés ont plutôt des fruits rouges. Donc celui-ci à gros fruits, c'est la taille d'une belle olive. C'est en réalité, c'est Matador, celui-là. Ouais, Matador, il y a Jolico aussi à gros fruits. Et on peut le manger frais quand il est vraiment bordeaux, très foncé et légèrement souple au toucher. Donc là, on le mange comme ça, il a perdu toute son astringence. Si on veut en faire des confitures, on mélange le rouge clair, le rouge foncé, ça donne une petite acidité, le goût ressemble un peu à la groseille. C'est une confiture excellente. Et excellente. Long à faire, j'en fais aussi des pickles. Ah. Donc dans ce cas, il faut le ramasser rouge clair quand la baie est bien ferme. Ah oui. C'est la même que j'ai garée là-haut. Ah ouais. On le met dans on met les baies dans des petits bocaux. En verre, on fait chauffer du vinaigre de cidre, okay. On le verse chaud dessus. On met un peu de sel, de poivre, les épices qu'on a au moment et qu'on a envie de mettre. Ça peut être des graines de moutarde, de la myrte, livèche, de l'estragon, enfin bref, ce qu'on a. Du genévrier. Un peu de sucre roux. Et on ferme le bocal à chaud et on oublie pendant 3-4 mois. Moi, je suis client, j'adore. Hein. Et on les mange après à l'apéro. Je vais te présenter le dernier cornouiller qui n'est pas un cornus mas, qui est le cornus officinalis. Il ressemble énormément au mas. Alors, qui dit officinalis dit officinal. Donc, il a forcément des vertus officinales. Va falloir que je me penche dessus pour savoir lesquelles c'est. Tombe pas quand même. Je suis étonné que tu... encore. Mon souci, c'est le manque de temps. Ah ben là, c'est le nôtre, hein, c'est un souci commun. Celui-ci, moi, je le préfère presque au cornus mas. Il fleurit plus tôt. D'accord. Donc lui, dès le mois de janvier, on est en plein en floraison. Et la baie arrive à maturité plus tard. C'est plutôt fin septembre, voire octobre. Et j'aime bien aussi celui-ci, son écorce. Quand la plante vieillit, on voit l'arbre se pèle un peu, on dit qu'il se desquame. Et il a un tronc, il a des pelures orangées, un tronc vraiment très joli. Recule un peu, Gisèle, on va en profiter pour choper. Hein. Et voilà, c'est parti. Voilà, là on voit qu'il commence le tronc à se desquamer. Mais c'est pas grave, ça l'habilite. C'est sa façon de faire, je pense. Il régénère son écorce. On peut être amené à avoir peur quand on voit un tronc qui commence à se... D'accord, c'est bien. Du tout. Là, on le voit très très bien, tiens, peut-être si tu peux filmer. Après, si c'est sur un pêcher, ça peut être la charca. Hein. C'est nettement moins drôle.
tu le vois bien là. Charcasse sur un pêcher, d'accord. Je ah, c'est une saloperie, ça. Là. Ouais, on le voit. On le voit là, cette couleur orangée. Plus il vieillit, plus ça va s'accentuer. D'accord, mais c'est pas grave. Alors, c'est normal. C'est normal. Bon, dis-moi, j'ai une dernière petite question, Sébastien. Je peux t'avoir aussi en même temps. Ah, tu peux m'avoir en même temps, oui. Deux pour le prix, là. Dites-moi, ouais, j'ai une petite question, parce que ça, c'est quelque chose qui intéresse... Enfin, tout intéresse les gens. Est-ce que le fait d'avoir déménagé, c'est pas aussi pour une question de climat et de sécheresse, parce que vous êtes, on le verra derrière, vous êtes quand même à côté de l'eau. Et je sais qu'à Montauban, vous avez été obligé de faire quand même certaines installations. Alors, comme dans toute installation, il y a des avantages et des inconvénients. Là, on a trouvé qu'il y avait quand même plus d'avantages qu'en inconvénients. On a le Tarn qui est juste à côté, donc on a l'eau à gogo. On a des puits. Des puits. On va pomper dans le puits. Voilà, on va pomper dans le puits. On a l'eau à gogo. À gogo dans le puits. L'eau n'est pas du tout calcaire, donc moi ça fait un moment que j'essaye de développer un peu les variétés rustiques d'agrumes. J'ai une petite collection intéressante, mais sur Montauban, avec les eaux calcaires, c'est assez compliqué d'avoir des pousses correctes et des bons enracinements. Là, on va pouvoir redévelopper un petit peu les agrumes. L'eau à gogo, sans avoir à s'inquiéter de savoir si le lac est plein, si le lac est vide et les étés secs. Et puis les deux entités à gérer. Gérer Montauban, gérer Albi, ça devenait très physiquement très lourd, très compliqué. Et puis bon, ça fait un moment, on aime bien Albi aussi, on aime bien Albi, ce coin on se l'est approprié, c'était le coin à Cécile au départ, maintenant ça y est, c'est l'entité qu'on a vraiment, l'endroit qu'on a construit ensemble, on va dire, un bel accueil. Maintenant. Et donc voilà, on est à part la fatigue qu'on a accumulée là, on est quand même vraiment content d'être ici, ouais. Ouais. C'est pas évident de se déplacer. Après 30 ans sur Montauban, c'était vraiment pas facile. Moi, je suis peut-être un peu casanier, je sais pas. Oui, moins, oui, il sait pas, moi je dis oui. Ouais, oui. Moi je suis assez casanier. Donc c'était, même quand on est arrivé ici, j'avais toujours les doutes de dire est-ce que je vais me sentir bien, et bon, voilà. Et maintenant? Ouais, ça... Home sweet home. Ouais, home cool. Sweet home. Ouais, ça va. C'est Montauban, j'aimais beaucoup parce qu'il y avait une super vue. Et là, c'est différent, mais vraiment, il y a un effet. Il y a beaucoup de diversité. Le Tarn amène énormément de diversité. Il est très changeant. Voilà, il est très changeant. Les couleurs sont très changeantes. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, ce petit coin de paradis, on est, c'est vraiment bien. Et puis on est. Quelques images du drone. Et puis là aussi, du coup, on a l'énorme chance d'avoir. Une fois de plus, notre outil de travail à 10 mètres. Ça bon, il y a un talus à monter. Hein. Je ne sais pas, dans 10 ans, on ira en fauteuil roulant peut-être. Non, un ascenseur. Mais on a notre outil de travail. On a notre outil de travail qui est à 10 mètres de notre yourte là. Donc c'est vraiment... c'est super. Vraiment cool. Ben, en tout cas, moi, je suis très heureux de vous revoir dans le Tarn. Ouais. Attention, les Tarnais-Garonnais, je les salue aussi. Hein, mais très content de vous avoir maintenant dans le Tarn. Ça fera moins de kilomètres pour ma part pour venir faire quelques achats. Mm-hmm. Merci pour ce... On va voir un petit peu en haut. Ce qui se passe? Encore. En haut, oui. Ben... Ah, tu sais ce que je propose? Parce que moi, j'aime bien un petit peu. J'ai pris quelques images de drone. Je réserve soit à un autre youtubeur, si quelqu'un vient vous voir, la chance de pouvoir présenter quand vous aurez un petit peu plus avancé. Oh, je pense que ça sera ou toi. Alors, je reviens avec grand plaisir. De toute façon, je dois revenir et ça, c'est quand vous voulez, on se réserve. Moi, je pense que ça peut être très judicieux dans un bon mois, quand on sera bien un peu reposé, un peu établi, de faire une belle vidéo sur toutes les nouveautés, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Et 5 variétés pour les animaux de compagnie. Oui, ouais. Ou on d'élevage. Se met derrière l'oreille. Ouais. On fait comme ça? Ouais. Parce que là, je vous cache pas, on a déjà plus d'une heure. Oui, hein, oui, sans problème. Et puis juste une petite présentation de la serre là-haut. On aura plus d'une heure et demie. Ouais, non, mais on va pas la faire maintenant. Du moi, coup, j'avais envie juste d'expliquer en gros ce qui va se passer là-haut. Il y a la serre de production. Avec une partie production, une partie vente. La partie production ne sera pas cachée, tout au contraire. On n'a rien à cacher. Et puis après, ce terrain, donc, c'était 1,4 hectare complètement nu. L'année dernière, il y avait du blé de cultivé. Et on a fait... Donc, il va y avoir la serre. Et d'un côté du champ, il va y avoir toute une partie verger. Enfin, il y a une partie verger qu'on a mis en place. Il nous reste un petit peu de place pour la compléter. Pour l'instant, il y a 140 fruitiers différents. Et donc, ça va être un verger pour lequel on va demander le label bio. Un verger qui va nous servir aussi pour prélever nos pieds-mères, nos greffons,
mais aussi un peu un verger expérimental, un verger où on espère qu'il va s'y passer des choses au niveau pédagogique, au niveau... Il y aura peut-être des formations chez vous. Voilà. Oui, ben, ce sera peut-être des formations, mais ça peut être aussi, on le met un peu à disposition aussi de Terres Citoyennes qui nous ont donné un bon coup de main en nous laissant nous installer ici. Donc ça va être un support pédagogique pour les gens qui vont vouloir faire des choses ici. Et puis les fruits seront, ben, ça peut être pour les gens de Terres Citoyennes, ça peut être pour la maison de retraite de Lescure, ça peut être pour des événements. En fait, ce verger, on va le mettre un petit peu, je ne vais pas dire à disposition, parce qu'on ne va pas non plus des gens qui viennent piller, mais on n'a pas besoin, on ne va pas avoir besoin de ces fruits pour vivre, si tu veux. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on va le mettre un peu à disposition des gens qui veulent. Si quelqu'un veut faire 10 kilos de compote, ben on dit viens chercher des pommes, viens chercher du raisin, tiens fais-toi 2-3 confitures avec du Isabelle, etc. Donc un arbre acheté, des fruits offerts. Et puis bon, ça nous permettra aussi, pardon, je te coupe, hein, mais de faire des corbeilles de fruits. De faire des corbeilles de fruits pour montrer aussi, parce que c'est très important, voilà, parce que goûter, ça, c'est super très important que les gens goûtent. Mais vous savez, c'est un des trucs qui a le plus marqué les gens sur notre quand on a fait le rendez-vous des abonnés en 2019, avant le corona. Les gens avaient adoré pouvoir goûter les feijoa, goûter ce verre. On a une pépinière fruitière, donc il y a le côté ornemental, bien sûr, mais derrière... le fruit et ce qu'on en fait aussi, donc miam miam quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Dans la serre aussi, on a envie de mettre pas mal de panneaux informatifs, mais aussi des panneaux qui vont proposer des recettes, et donc on en proposera diverses, tu vois, sur le même, pour les feijoa, il y aura tout au long de l'année diverses recettes affichées, peut-être des vertus médicinales pour d'autres plantes. Ça c'est sur l'année à venir, ce sera peut-être pas... Des belles promesses. Pas. Voilà, des promesses, toujours des promesses, ce sera peut-être pas pour l'ouverture là, du 3-4 avril, parce qu'on va être juste prêt, mais ça va se faire au fil de la saison. En tout cas, sur l'automne, je pense qu'on sera vraiment prêt sur ce genre de truc. Pour mettre justement de l'informatif. Et on estime aussi que les gens qui font 300, 400, 500 km, on en a de plus en plus, qui viennent nous voir. Ils en profiteront pour visiter le musée Lautrec et Albi, qui est vraiment une jolie ville. Mais aussi, du coup, ils pourront passer, je pense, facilement 2-3 heures dans la pépinière sans s'ennuyer et vraiment repartir avec nos infos à nous, mais aussi de l'info qu'ils peuvent glaner dans la serre. Oui. Voilà, c'est un peu notre objectif. J'ai une idée là qui me vient. Si vous proposez, sous certaines conditions, aux personnes qui viennent de loin, qui ont des camping-cars, de pouvoir poser... le temps de faire un achat et de repartir oui, le lendemain. Ce sera tout à fait possible. Je ne sais pas si c'est législativement. Législation, je ne sais pas si c'est... On a un parking, c'est vrai que les gens qui veulent poser leur camping-car, dormir la nuit ou la veille ici, ça sera tout à fait faisable. Mm-hmm. Oui, en effet. Oui, complètement. Même planter une tente quand il ne fait pas trop froid ou peu importe s'il y a des gens pas frileux. Mais on a l'espace, quoi. On a l'espace. C'est ça. On a l'espace, donc c'est vraiment... Tu vois, on prend une bonne bouffée d'oxygène, on a de l'espace pour que les gens circulent dans la serre, on a de l'espace dehors, on a l'espace pour les livraisons aussi, etc. Quoi. Pour en revenir à l'installation, parce que... Donc, il y a ce verger. À côté du verger, on le voit sur l'image drone que tu as faite. Il y a des gros ronds en ganivelle. Oui. Dans chaque rond, en fait, ce sont dans chaque rond, il y aura une collection. Dans un rond, il va y avoir plusieurs variétés d'asiminiers que l'on a. Dans un autre rond, plusieurs variétés d'amélanches, plusieurs variétés de cornouillers. Donc voilà. Et de l'autre côté, où pour l'instant, c'est vraiment un pré tout nu, on va s'en occuper cet automne. Et là, ça sera un arboretum ethnobotanique. Voilà. Donc ça veut dire, là, on va planter... que des grands arbres, en fait ça va devenir des grands arbres et qui chacun vont avoir une utilité. Ça peut être des bouleaux pour récupérer la sève de bouleaux, ça peut être un chêne-liège parce que ça fait du liège, un tilleul, voilà, tout ce qui est au service de l'homme. Voilà. Mais là, ça sera planté cet automne. Ça. Bon, on va y arriver, mais voilà, j'ai deux dernières choses. Vous avez combien, vous deux, d'années d'expérience quand même? Parce que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, il faut quand même le dire aux gens. C'est pour ça que vous... Dites tout de suite qu'on est des vieux, quoi. On est vieux à partir de... vous rassurer, on dit déjà que je suis vieux. Donc oui, si vous voulez, on est des vieux. Ça pourrait faire peur des... Un jeune, un vieux, voilà. Non, mais quelqu'un qui s'installe sans expérience, quelqu'un qui dit on va faire ça, on pourrait dire ouais, ok. Sauf que vous, vous avez, à vous deux, vous avez combien? Vous avez au moins 40 ans d'expérience.
50. C'est dingue. C'est dingue ce que vous mettez en place. Et le dernier, parce que vous avez répondu à demi-mot, même si je sais, là je fais exprès, je le mets en caméra, mais je vous jure que si j'ai la possibilité de recevoir les gens chez vous, comme on avait fait, mais en plus grand, si la crise sanitaire le permet, je serai honoré parce qu'il y a vraiment un espace d'accueil qui, qui est beau. Espace d'accueil. Mais on sera honoré aussi. On sera honoré. C'était bien le premier, hein, putain, c'est déjà long. Ouais, ça a été vraiment très très chouette. C'est un autre monde. Hein. Et aussi, c'était une parenthèse. Ça a été un beau moment de partage aussi. C'était non, vous en avez fait un minuscule cette année. Vous avez réussi un peu à recevoir non. Punaise. Non, mais c'est cette crise a. On a fait une porte ouverte en catastrophe. Ça a été la pire porte ouverte là, cet automne. On veut dire financièrement, on s'en est à peu près bien sorti. Mais en fait, le week-end, on devait faire la porte ouverte. Ils ont annoncé le confinement le jeudi soir. Allez voir les pépiniéristes et mettez-les en avant. Cécile, Sébastien, merci pour ce moment. C'était merci vraiment très intéressant. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses encore qu'on a apprises. Je vais avoir du boulot au montage. T'as du boulot de montage, ouais. Mais merci, ça fait 3 ans qu'on collabore ensemble et ça me touche beaucoup de voir que la chaîne évolue et que vos projets évoluent beaucoup. C'est vrai aussi. Qu'on évolue finalement tous ensemble. Les deux parallèlement. C'est vrai. Oui. Ah ouais, ça c'est marrant. Bah, tant mieux. Hein. Bon, de toute façon. Comme disait Bourville, il n'y a pas grand-chose qui résiste au travail. Mais c'est vrai. C'est moi qui étais un gros feignant, qui suis peut-être. Non, je ne peux pas dire que je suis non, un gros feignant. Là non. Mais c'est vrai que le travail, au bout d'un moment, ça paye. Quoi. Voilà. Venez voir la pépinière, vous verrez ce que c'est des feignants en action. Voilà. Vous verrez. Ouais, c'est impressionnant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui résiste au travail, et c'est vrai. Merci Cécile, merci Sébastien. Merci à toi.